Vendredi 5 avril 2024, dernier vendredi du mois de Ramadan. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal à la une de ce soir. La canicule est en train de faire des ravages parmi les enfants et les personnes âgées. L'hôpital Gabriel Touré à lui seul a enregistré entre le 1er et le 4 avril 102 morts et accueilli plus de 400 patients liés à la forte chaleur. Et pour éviter le drame, les urgentistes conseillent de donner à boire constamment aux enfants et aux personnes de troisième âge. Les détails, ça sera dans ce journal. Des acteurs politiques et des organisations de la société civile réclament la participation des groupes armés et même des terroristes au dialogue intermalien initié par le président de la transition. Ces assises, dont les rencontres préparatoires sont en cours, doivent permettre d'engager le pays sur la voie de la paix et de la réconciliation. Il a perdu le dimanche dernier, ici même à Bamako, face au Drums FC du Ghana. Le stade malien de Bamako doit forcément gagner ce week-end à Accra pour prétendre jouer les demi-finales de la Coupe de la Confédération 11 ans après son premier et unique sacre dans cette compétition. À quelques heures de s'envoler pour la capitale ghanéenne, entraîneur et joueur du club reste confiant. Voilà donc. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue. Je vous le disais tout de suite dans les titres, le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a rencontré ce jeudi des organisations de la société civile, des partis politiques et des membres du Conseil national de transition. L'objectif était de recueillir leur avis sur le processus du dialogue intermalien. Et tout comme certains membres du CNT, les acteurs politiques, dans leur requête, ont réclamé l'implication des groupes armés afin de trouver des solutions durables à la crise sécuritaire. Le point avec Bakary Mcdibé. Les conclusions du dialogue intermalien, dont les préparatifs sont en cours depuis quelques jours, doivent vous permettre d'aller vers une vraie réconciliation au Mali. Mais il n'est pas encore prévu d'inviter les acteurs de la crise, notamment les ex-rebelles et les terroristes. Incompréhensible selon les acteurs politiques qui pensent que la question des réconciliations et la paix doit s'étendre à tous les Maliens, quelle que soit leur position. C'est une situation qui va au-delà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit certaines personnes, mais en réalité, est-ce que dans le processus, ils ne sont pas utilisés pour d'autres fins? C'est ce qu'on ne dit pas en réalité. Est-ce que ces personnes ne sont pas en mission? Et qui sont ces commanditaires de ces missions? Il faut les avoir aussi. Et souvent, on occulte ces aspects. Et souvent, on ignore. Il y a certains qui gouvernent le monde par la peur, par la terreur. Et c'est vrai qu'il y a certains qu'on met devant. Mais ce n'est pas évident, c'est pas, il faut aller au-delà et c'est les autorités qui ont tous ces secrets, qui ont tous les moyens de pouvoir indiquer et trouver des solutions adéquates. Et si on parvient à les avoir, c'est à eux de voir quelles sont les solutions, les approches pour qu'on puisse être vraiment dans ce dialogue et qu'il y ait cette paix de façon générale. Une position partagée par certains membres du Conseil national de transition qui ont été reçus dans la même journée par les membres du comité de pilotage. Bien de vivre en paix et dans toutes les langues. Particulièrement les langues parlées par les jeunes terroristes, pour que le message arrive au fond du cœur de ces jeunes enrôlés, souvent par peur, souvent par ignorance, souvent par désemparement. Je souhaite que les plateaux soient pris d'assaut dans les langues nationales et qu'ils comprennent que c'est l'ultime chance que le Mali, que les Maliens se donnent entre eux de construire un Mali de paix. Autrement, après ça, ceux qui ne sont pas là-dedans seront traqués comme des bêtes. Le président du comité de pilotage ainsi que le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ont tenu à rassurer la classe politique quant à la prise en compte de leurs recommandations. Ils ont ensuite invité cette dernière à ne pas céder à la division. Les partis politiques, les associations, les organisations de la société civile, les légitimités traditionnelles, les organisations socio-professionnelles, les organisations confessionnelles, les syndicats, de bien vouloir proposer des solutions objectives et pertinentes afin de nous permettre de tirer des conclusions
à l'effet de les soumettre aux plus hautes autorités en vue de leur mise en œuvre. À l'endroit des partis politiques ici présents, il ne s'agit pas, vous en doutez, de conquête du pouvoir, en tout cas dans le cadre du dialogue direct intermalien. Nous comptons, je voudrais également m'associer à cet appel solennel qui vous a été adressé par le Premier ministre Issoufi Maïga à votre endroit, de mobiliser vos militants. Nous avons la chance d'avoir dans notre pays plus de 293 partis politiques. Donc, par déduction, il devrait avoir plus de 200 projets de société. Vous êtes une force très importante de proposition. Et justement, nous avons besoin de vos idées, nous avons besoin de vos remarques, nous avons besoin de vos observations pour sceller définitivement la paix. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a pour objectif de résoudre les mésententes au sein des communautés et entre elles, à réparer le tissu social en vue de restaurer l'harmonie et le vivre ensemble ayant toujours caractérisé les sociétés maliennes sans lesquelles le développement et la réalisation du Mali croix seraient impossibles. Actualité oblige, la forte chaleur enregistrée ces dernières semaines à Bamako est à l'origine de nombreux cas de décès dans les services de santé. L'hôpital Gabriel Touré a ainsi dénombré 102 morts entre le 1er et le 4 avril 2024. Et selon le chef de service des urgences, aussi, le nombre de patients victimes de la canicule dépasse les 100 par jour. Je vous propose ici de l'écouter au micro de nos reporters. Nous avons vu que la fréquentation du service a augmenté. Il y a 3 jours, le service avait reçu en un jour 100 patients. Alors que notre moyenne journalière, c'était 70 patients. Donc on s'est dit, boum, on s'est retrouvé à 100 patients. On s'est dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. 1er avril au 4 avril, on a un nombre de décès très élevé. Comparé à 2023. Sur les 2 jours, j'ai dit sur les 4 jours, nous avons enregistré 102 décès. Sur les 4 jours d'avril, 1er, 2, 3, 4, nous avons enregistré 102 décès. Je disais ça tantôt, on a eu 102 décès, et quand on regarde sur les 102 décès, nous avons plus de 60% de ces 102 décès, c'est-à-dire plus de 60 des 102 décès, c'est des patients qui ont un âge supérieur à 60 ans. Donc, et on sait qu'à partir de la soixantaine, on a beaucoup de pathologies qui accompagnent l'âge, dont le diabète, dont la tension qui accompagne l'âge. Donc, il y a non seulement cette canicule qui est là, mais qui vient se greffer sur un terrain qui est déjà fragilisé. Demander à ceux qui sont à côté de certains types de la population qui sont beaucoup plus sensibles à cette canicule-là, en l'occurrence, ceux qui ont un âge supérieur à 60 ans et ceux qui ont un âge très jeune, c'est-à-dire les enfants, faire en sorte qu'on puisse prendre des mesures par rapport à cette tranche d'âge-là, ça va les soustraire de l'ambiance très très chaude. Rapidement. Faire aussi en sorte, comme je disais tantôt, que c'est des patients qui perdent beaucoup d'eau, faire en sorte que ces patients, on les donne de l'eau. Et aussi, faire en sorte que chaque fois qu'on peut, et ça aussi c'est très important, chaque fois qu'on peut éviter d'être dehors. Et voilà, c'était à l'instant le professeur Django Jimbo de l'hôpital Gabriel Touré qui s'exprimait au micro de Lolo Madibati. Démarrée le 25 mars 2024, l'opération Suntigué de Orange Mali touche à sa fin. Ce jeudi 4 mars 2024, une rupture collective a été organisée à cette occasion dans la mosquée de Nyamana Plateau. Organisée pour les fidèles musulmans, il s'agit pour Orange Mali d'exprimer sa solidarité en offrant des paniers Ramadan et des ruptures collectives tout au long du mois de Ramadan aux plus démunis. Maïmouna Ouedraogo, Zakaria Omar Keïta, compte rendu. Allah,
Cet appel à la prière marque la rupture du jeûne dans la mosquée de Niamana Plateau. Ici, une rupture collective est organisée par Orange Mali pour les fidèles de la mosquée dans le cadre de son opération Suntike. Plus d'une cinquantaine de fidèles ont répondu présents. Orange Mali, comme vous le savez, est une entité citoyenne. Donc, dans ça et dans cette dynamique, en cette période de partage de solidarité, a voulu, par ses gestes humbles, rappeler l'importance de l'entraide et le partage envers les gens qui sont dans le besoin. Donc du coup, on ne pouvait pas rester en marge de ça, vu que c'est un mois, comme on le dit, un mois sacré et béni, un mois de partage et de solidarité, donc on a voulu vraiment mettre un peu la main à la poche pour quand même satisfaire les plus démunis. Donc aussi une manière de témoigner notre engagement envers la communauté musulmane et apporter juste notre petite contribution au bien-être de tous. Pour l'imam de la mosquée, cette rupture collective est une première depuis la construction de la mosquée. Ainsi, il profite de cette occasion pour exprimer toute sa gratitude à l'entreprise Orange Mali. Je suis très content par ce geste d'Orange Mali. C'est une première dans notre mosquée et j'espère que ça ne sera pas la dernière. Donc, au nom de tous les fidèles musulmans de la mosquée, je les remercie. Cette opération Suntike de Orange Mali, qui touche ainsi à sa fin, a concerné les 6 communes du district de Bamako et la ville de Kati. Durant l'opération, des paniers ramadan ont aussi été offerts aux fidèles musulmans pour la satisfaction de tous. Vivement le prochain ramadan. Rupture collective, c'est le ministère de l'Énergie et de l'Eau qui l'a aussi organisé ce jeudi 4 avril 2024. Cette rupture qui rentre dans le cadre des activités du mois de la solidarité initiée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est tenue sur le terrain municipal de Bakoji Colony en commune 5 du district de Bamako. La Sinjakiti. Initiée par le président de la transition, la présente activité avait pour but de soutenir les personnes vulnérables en ce mois de Ramadan. À travers ce geste, le ministère de l'Énergie et de l'Eau compte témoigner de son soutien aux plus démunis. Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la citoyenneté, cette initiative est salutaire car elle permet de rapprocher les autorités à la population. L'initiative du président de la transition est vraiment excellente. Et le fait que, à tour de rôle, chacun des ministres va passer. Un lot de ministres va passer dans ces différents endroits pour rompre le jeu avec la communauté. Je pense que c'est une excellente initiative, ça va nous rapprocher davantage. Mais également, je pense qu'à ce stade aujourd'hui, les Maliens doivent comprendre que nous sommes là également à leur service. Nous sommes là, nous recevons les instructions du président de la transition pour eux, pour être à leur service, pour répondre à leurs besoins. Et je pense que c'est un moment également de montrer cela, de montrer que nous sommes là à leur service et nous sommes près d'eux. Et nous pensons, nous savons qu'ils sont en train de faire beaucoup d'efforts. Et nous comprenons cela. Et nous allons redoubler davantage d'efforts pour essayer de combler très rapidement les besoins de la population. Les fidèles musulmans présents à la cérémonie se réjouissent du choix porté sur leur commune pour l'organisation de cette activité. Ils remercient les autorités de la transition pour l'initiative. Selon eux, ça les permet de rencontrer les autorités et de leur expliquer directement leurs préoccupations. Je suis très content de cette initiative du président de la transition. C'est ma deuxième fois de voir le ministre de la Jeunesse depuis le début du mois de Ramadan. J'apprécie vraiment l'initiative des autorités d'aller à la rencontre de la population. Que Dieu les protège. A rappeler que l'opération Sungalo Solidarité initiée par le président de la transition a commencé depuis le début de Ramadan et se poursuivra dans toutes les communes du district de Bamako et dans les capitales régionales jusqu'à la fin du mois sacré. L'administration du groupe Renouveau, comme à son accoutumée, a également organisé une rupture de jeûne collective
avec l'ensemble du personnel du groupe Renouveau. Les travailleurs ont rompu le jonc hier jeudi avec le PDG et l'administrateur général du groupe. Devenue une tradition, cette initiative vise à renforcer la cohésion entre les travailleurs du groupe Renouveau. Amadou Diarra. C'est un moment de prière et de communion entre les agents du groupe Renouveau. La rupture collective chez Dramane Aliou Kone s'est perpétuée au fil des années. C'est une occasion de renforcement des liens de solidarité entre les agents des différentes entreprises du groupe Renouveau. Nous partageons cette rupture collective. Quand je dis nous, il s'agit de l'ensemble du personnel du groupe Renouveau. Quand je parle de l'ensemble du personnel, il s'agit de tous les travailleurs de la télé Renouveau, tous les travailleurs du journal L'Indicateur du Renouveau, également de la radio Renouveau FM et même Renouveau Imprime. Nous partageons ce repas collectif, histoire de faire la rupture collective avec les promoteurs de Renouveau TV. Il s'agit de Markaché, Dao, de Dramane Aliou Kone. C'est une occasion aussi pour nous de formuler des bénédictions à leur endroit, également leur demander aussi des bénédictions pour que effectivement la cohésion au sein du groupe puisse être pérenne également et bénir aussi l'ensemble de nos téléspectateurs et également notre pays. Après avoir salué cette initiative, l'administrateur général du groupe Renouveau a saisi l'occasion pour adresser un message au personnel. Saisissons l'opportunité que nous avons. Cette opportunité, c'est quoi ? C'est le bon climat, la bonne ambiance qui règne au sein de notre entreprise. Faisons tout pour la préserver. Faisons en sorte qu'on puisse se retrouver davantage dans des cadres autres que professionnels. Je pense que ça renforce le vivre ensemble, ça renforce notre esprit de communion, ça renforce également l'envie. Alors, de se soutenir, ça c'est extrêmement important. Ce moment revêtait également une importance particulière par rapport aux éditions précédentes. Un hommage émouvant a été rendu à nos regrettés collègues, notamment Adama Traoulé et Bouakar H. Diallo, avec des prières pour le repos éternel de leurs âmes. Sport, football avec le Stade malien de Bamako, ça passe ou ça casse? Après sa défaite à domicile face aux Drums FC, le Stade malien de Bamako sera à Accra au compte des matchs retour des quarts de finale prévus pour le 7 avril prochain. Et notre équipe de reportage a suivi le dernier entraînement de l'équipe avant son départ. Je vous propose ici de suivre. Depuis 2009, le Stade malien de Bamako n'avait pas franchi les quarts de finale de la Coupe CAF. Après avoir subi une défaite 1-2 face au Dream FC du Ghana à l'aller, le Stade va aborder la rencontre avec détermination et optimisme. Et surtout de demander à mes joueurs d'avoir du courage. Et cette détermination, il faut qu'il ait du but à Bamako et jusqu'à Accra. En tout cas, l'équipe reste déterminée à se qualifier, selon le milieu de terrain Youssouf Koulibaly. On va l'aborder comme tous les autres matchs. Donc on a déjà fait les matchs aller, donc on fera tout pour avoir la qualif chez eux, Inch'Allah. La qualification est difficile, mais pas impossible, rappelle l'entraîneur Mamtou Kané. À l'extérieur, ils ont été très bons. On peut être très bon à l'extérieur. Cette équipe nous a dominé ici, on peut les dominer ici. Le Mali, le football malien, si vous savez, il y a trop de pression, il y a trop de stress. Quand on joue à domicile, la pression existe, le stress existe, mais je pense qu'avec cette mentalité qu'on va aller à Accra, je pense qu'on va oublier le stress et essayer de faire le maximum possible pour affronter cette équipe et les mettre dans des situations difficiles pour profiter de cette lacune et gagner ce match. L'ambiance au sein du groupe est très bonne et bonne de l'espoir d'un match retour plus positif à Accra. Comme vous voyez, donc il y a de l'ambiance, tout le monde est motivé, tout le monde a envie de jouer. Donc il y a la motivation et puis là, il y a la concurrence. Donc on fera tout, Inch'Allah. A noter que la délégation du Stade malien de Bamako a quitté Bamako ce vendredi 5 avril et la rencontre est prévue pour ce dimanche 7 avril 2023 à partir de 16h.
Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Fidélité que je vous demande de réitérer demain à la même heure. Bonsoir.